Salut à toutes et à toutes, c'est Viknin, 66, et aujourd'hui, on se retrouve sur un pont, enfin, sur le pont d'Avignon, on y danse, ah putain, je suis tombé. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de notre let's play sur, de notre walkthrough sur The Legend of Zelda, Twilight Princess. Reviens ici, poulet. Ouais, je sais, c'est complètement fou de faire ça. Portée, yeah, ah, qui veut du poulet ce soir? Qui veut du poulet? Ouais, c'est complètement débile de faire ça, je sais, mais en même temps, c'est la classe. Regardez, on va faire nager les poulets. Je fais une nouvelle race animale. Ah ben, c'est un canard, mais c'est aussi un poulet. Enfin bref, aujourd'hui on était là pour bien sûr pouvoir acheter le lance-pierre qui se trouve dans ce magasin-là, et je pense que pour avoir le lance-pierre, il faut tout simplement retrouver le chat que nous avons vu en parlant à ce type qui est là-haut, là, que vous voyez sur ma fée, là, qui est là. Enfin bref, voilà. Et donc, comme on a vu le chat, on va tenter de faire quelque chose, comme il veut essayer de pêcher, on va pêcher devant lui. D'ailleurs, c'est la chose à faire, normalement, il me semblerait... Attention, on va se mettre à pêcher, et attention, la Viknin va être en mode... Je pêche, et je suis calme. Alors c'est qui aura? Je vais te manger. Tout? C'est pas assez gros pour moi ça. Bon bref. 26 cm, ça me va. Quoi? Qu'est-ce que t'as le chat? Je sais que je suis très apprécié des chats, mais faut pas me faire chier. Hop là. Je sais pas ce qu'il y a sur cette canne à pêche, mais ça attire les poissons. Allez, ça remonte. 27. 28 cm. Ça a pris 2 cm. Même pas 3 secondes. Vous avez établi un nouveau record. Votre carnet de pêche au coup a été mis à jour. Vous pouvez en pêcher à foison. Ce n'est pas la peine de le garder. Appuyez sur A. Ok. Oh, le fumier! Oh, mon poisson, ça fait mieux! Viens ici! Au pied! Mais le poisson il bouge encore et le tien il lâche pas le chat. Donc aussi les gens, je vous annonce aussi que j'avais fait l'épisode 2 un peu avant, c'est à dire hier, mais le problème c'est que devinez la suite, je n'ai pas enregistré la voix et l'épisode était buggé. Dans quel sens buggé? C'est que vous n'aviez pas la voix du jeu, enfin le son du jeu, genre la petite musique que vous entendez là, il n'y avait rien. Vous n'avez même pas Link qui fait comme ça, voilà, vous entendez rien. Enfin bref, allons acheter le lance-pierre maintenant. Oh, bonjour Link, tu vas bien? Il faut absolument que je te raconte ça. Mon petit chat est incroyable. Ouais, ouais, c'est ça, explique. Il est venu aujourd'hui et m'a rapporté un poisson qu'il a pêché tout seul. LOL. Je ne sais pas comment il a fait, c'est peut-être un génie. Quoi? C'est moi le génie. Oh, regarde mon bout de chou, regarde le lapin son lolo, il est tout content, il est trop mimi. Bah tiens, tu n'as qu'à en boire toi aussi, c'est gratuit, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Vous obtenez une bouteille vide. Non, une bouteille de lait. Elle est à moitié vide. Assignée avec B et le bordel. Quand le flacon est vide, vous pouvez le remplir en le plongeant avec B dans un liquide devant vous. Ok. Mais je vais acheter le lance-pierre. Oh, j'ai pas besoin de prendre la bouteille, d'accord. Tu peux le garder et le remplir avec ce que tu veux. Je sais que tu n'es pas comme ça, mais les jeunes d'aujourd'hui gaspillent tant de choses. Oh, mais dis-moi, tu veux acheter quelque chose? Ça te dit, si ça te dit, regarde ce que j'ai en magasin. Ton lance-pierre d'abord. Ton entrebille, ça va. Et donc, les enfants, j'allais vous... les abonnés, les viewers, j'allais les appeler les enfants. C'est super, d'ailleurs. Chers viewers, vous avez vu sûrement que... comment dire, que j'avais un peu plus de pognon sur moi. C'est vrai, j'admets que j'ai plus de pognon sur moi, parce que hors vide, comme j'ai recommencé l'épisode, j'ai dit autant prendre plus d'argent comme ça. C'est pratique parce que c'est un peu une astuce que je vous donne là d'ailleurs. Quand vous commencez un Zelda, faut avoir le maximum de rubis possible, comme ça vous n'avez pas de problème ensuite pour d'autres rubis à acheter ou autre chose. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas... Ah si, il y a d'autres potirons ici. Voilà. Ici, là, tac, tac. Oh, rubis bleu, c'est cool ça. Tac,
Et tac. Piou. Ah, il y en a aussi là, des potirons. Bah allez, on va tout gâcher. On va gâcher tous les potirons même. Ou pas. Je sais pas s'il va m'engueuler là aussi, je sais des potirons. Merde, j'ai oublié de faire quelque chose les gens. Ah, des graines. Attendez une minute, j'ai reçu un message, ça fallait s'en douter. Deux minutes, les gens, laissez-moi répondre. 10 minutes. Je fais un truc. Voilà, merci. Donc j'aurai 10 minutes pour causer, vous parler encore une fois. Et faut que j'ai mon chronomètre devant moi. Mon chronomètre qui est là, oui, donc ça a dû commencer depuis à peu près 5-8 minutes environ. Pour pêcher, ça devait pas être long, hein, donc on va dire 5. Donc voilà, c'est parti, maintenant on peut aller voir les enfants pour leur donner leur lance-pierre. D'ailleurs, attendez. Non. Si, allez, je vous le fais parce que je l'ai fait à l'épisode précédent. Enfin, à l'épisode Attendez, est-ce que je l'ai fait? Si, il me semble que je vous l'avais fait à l'épisode précédent, ça, le gars qui se fait avoir. Si. Oui, je l'ai fait. Enfin, bref. Ah. Alors, toi, tu vas me donner ton nom et ton prénom parce que j'en ai marre. Ah, Link, tu tombes bien. Je viens juste de déposer quelque chose chez toi. Je l'ai laissé dans ta chambre. Oh, tu as pris la canne à pêche, c'est Colin qui va être content. Elle est facile à manier, non? Bon, bah, et bah, plus tard. Il est avec Epona derrière. Sniper mode. Je vais rater. Ou pas. Allez, hop. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Enfin, c'est un cadeau ou un objet? Je sais pas. Allez. Le coffre. Et qu'est-ce qu'on a? Une épée en bois! Vous obtenez l'épée en bois, elle a bien été entretenue. Ouais, j'avoue, parce que les belles. Regardez. Ça le fait. On dirait une épée du village Kokiri, de base. Si le jeu Zelda Ocarina of Time était. Si tous les gens de la forêt Kokiri étaient armés, ils auraient une épée en bois comme ça. Sans déconner. C'est plutôt logique en même temps ce que je dis. Sauf l'épée Kokiri, qui est l'épée légendaire du peuple. Je crois. Ou l'épée sacrée, enfin bref. Ah oui, je sais, j'ai des messages. Hé, hey, Link, tu as un lance-pierre? Oui, je l'ai acheté. 10 minutes, ok, c'est bon, on va pas me faire chier. Allez, on s'entraîne? Vous avez en face de vous un sniper, donc vous avez intérêt à vous calmer, les petits. Bon, tout est prêt, allez, montre-nous ce que ce lance-pierre a dans le ventre. Vise les cibles avec les épouvantails, d'accord. Ouais, mais c'était simple, ça. Wow, super, Link, pendant que tu vises, d'accord. Raté. C'était la classe. Ils l'ont bien dans le... Eh oui, c'est bipé, peut-être, non, je sais pas. Non, j'ai même pas dit le mot en fait, donc je sais même pas si je vais le couper. Enfin bref. Link, t'es vraiment trop fort, ouais, t'as vu. C'est vrai, il est très doué au lance-pierre, à l'épée et pour tout le reste. Ouais, exactement. Ah oui, au fait, la prochaine fois, tu pourras nous montrer ton épée? Ces derniers temps, il y a un singe qui nous fait des crasses. Je voudrais lui donner une leçon. Alors, s'il te plaît, apprends-nous à manier l'épée. Ouais, génial. En fait, j'ai jamais compris en fait. Est-ce que Fenir, c'est un mec ou une fille? Faudra que je lise correctement. Montre-nous le coup normal. Une attaque. Il faut juste remuer machin. Non, pas ça. Pas ça. Ouais, une attaque verticale, c'est cool, hein. On peut aussi simplement remuer pour faire une attaque horizontale. Non, bon alors maintenant... Et Dilik, montre-moi, tu sais quand tu vises et que tu agites, ok, le coup des stocks. Tu veux que je fasse un coup des stocks? Hop là, voilà. Comme ça que ça s'appelle de base, hein, ça s'appelle un coup des stocks, c'est pas un coup où tu vises comme ça, c'est un coup des stocks. Oh bah pendant que tu y es, j'aimerais voir aussi l'attaque aussi. Tu sais l'attaque circulaire? Ouais, ok, d'accord, il faut se... Voilà notre chuck! Tout faire péter.
Oh oui, merci, Link. Oui, oui, je sais. Je m'excuse de te faire passer l'une de tes rares journées de congé avec ces gamins. T'en es une. Tu peux nous montrer un saut? Mais tu sais, le coup où tu sautes comme ça et puis tu retombes et là, ça fait vloum. Je suppose que c'est ce... Oui, l'attaque... Plongez-moi. Ou je coupe le chapeau, même. Ouais, c'est la classe, t'as vu, t'as même le chapeau qui est à côté de toi. C'est la classe. Il reste 7 minutes. Ouais, ouais, je crois que j'ai compris ce coup-ci, ou peut-être pas. Mais avec ça, ce satané singe peut se pointer quand il veut. Il sera pas venu pour rien. T'as raison, et juste là, coïncidence. Téléphone qui sonne. J'en ai rien à battre. Je file. Faites pas chier. Reviens ici tout de suite. Ouais, peut-être que vous l'entendez le téléphone, mais c'est pas grave. Hop là, on en profite pour buter le potiron, hein. On prend quelques rubis au passage. Voilà, c'est gratuit, hein. Allez, montez et on va les chercher ce singe. Je pense que c'est une femelle, donc on va dire oui, un singe quand même. Allez, viens. Les gens, bon, bref, j'ai eu un appel, c'est rien, hein, j'ai juste appuyé sur eux, et je suis reparti. On va aller sauver ces enfants, c'est comme le petit poussé, vous suivez les enfants et vous savez où vous êtes. En plus, j'ai fait une attaque circulaire alors que je le voulais pas, mais c'est classe. Forêt de Firon. Allez hop, c'est parti, on y va, on saute la barrière, on y va encore. Ça va m'énerver. Enfin bref. Ah oui mince, j'ai plus de machin. C'est vrai. Ah. C'est bon ça. Bon, parlez. Tiens, un gars de Toll, salut. Et tu sais, en camp plein jour, c'est dangereux de se balader sans lumière dans le coin. Il y a des grottes par ici, alors la lumière du jour ne te sera pas d'un grand secours. Tiens, prends ça. La lanterne. Oh yes, c'est une lanterne. Et les gens, je sais que ça va être peut-être un épisode peut-être trop court, donc on va quand même continuer un peu. Donc voilà, c'est un peu court comme épisode, je voulais savoir combien il y a, mais en fait j'avais oublié que j'avais failli oublier que j'ai eu un appel. Allez, on débroussaille les herbes. En évitant de taper la caméra. Parce que je vous explique, à l'épisode 2 de base que j'avais fait, bah j'ai tapé dans le micro, mon nouveau micro en plus, vous vous rendez compte. C'est genre, je prends pas soin de mon nouveau matériel. Fuck la police, quoi. Comme dirait. Enfin, bref. Alors, il faut assigner la lanterne. Non, mais. Ah oui, mince. Moi, je vise vers le haut alors que ça veut dire info, ça. Enfin, bref, on va pas s'occuper des monstres là, puisqu'on va se dépêcher, hein. Les monstres, ils sont pas très forts, ils vont nous faire perdre que du temps. En même temps, vous pouvez les esquiver, ils vous font pas trop de dégâts, donc normalement, vous devriez pas crever. Suivez ce que je fais. Ah, je me cogne contre un truc, un mur invisible, c'est super. Bon, les rats, par contre, ça va me faire chier. Ok, d'accord, le truc était en l'air, mais j'ai réussi à l'avoir, c'est super le coup. Là, et bon, les choses sont aussi. Quand ils sont trop nombreux, il faut les buter. Et quand ils donnent à cœur, voilà, tu prends. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je suppose qu'il y a un rubis rouge, jaune. J'aurais dit un rouge, moi, bizarrement. Oh, je te fais une esquive. Avec ta bave, qui n'est pas... assis. Enfin, si, elle est assis. Oh, il y a des champignons un peu partout. Ah non, c'est des feuilles, j'ai cru que c'était des champignons. Donc, il y a deux points rouges sur la carte. Je sais pas à comprendre, les gens, on peut pas aller de côté où il y a le point rouge du côté droit parce que c'est une autre zone et qu'il faut une clé. Il faut aller chercher ici. Voilà, ça c'est fait. Donne-moi un rubis, voilà, c'est fait. Et aussi, nous allons ramasser, attention les gens, je vous préviens, nous allons ramasser notre premier fragment de cœur. Ça va être dur de dire fragment de cœur pendant tout le walkthrough parce que je suis habitué à dire quart de cœur avec tous les Zelda qu'on a eu. Sans déconner, on a eu Zelda Ocarina of Time avec des quarts de cœur. Je crois pas qu'on avait des quarts de cœur dans les versions DS. Donc oui, j'ai pas fini bien sûr que Ocarina of Time et tout ce que j'avais dit à l'épisode précédent, j'ai bien sûr surfini aussi sur DS. Spirit Tracks, pardon, excusez-moi. Et Fantôme en glace, il me semble, c'est tout. Enfin bref.
Voilà, on a le coffre et on a une petite clé. C'est la classe. Ah, punaise. Enfin bref, c'est parti. Vous obtenez un fragment de cœur. Voilà. 5 fragments de cœur. Et oui, c'est la différence entre tous les Zelda, c'est que là, vous avez beaucoup plus de fragments de cœur. Il me semble, attendez, qu'on en a. Laissez-moi voir ça. Vous inquiétez pas, je vais pas sur internet, c'est juste, j'ai un truc exprès pour... Quart de cœur, on en a 45 dans ce jeu. Donc, vous voyez, voilà, je commence déjà à dire quart de cœur, c'est le bordel. Il y a déjà 45 fragments de cœur, donc autant vous dire qu'on va tous les avoir, hein, j'en oublie aucun, normalement je les à peu près par cœur, sauf ceux qui sont cachés un peu dans le royaume Hyrule. Voilà, tu me donnes un cœur, c'est gratuit, maintenant on va aider les autres. Ah non, je vais jouer. Ah putain, je voulais voir quelle heure il était, mais voilà. Et là, esquive de ta truc, c'est cheat. Hey, t'as un bâton, moi, j'ai été en bois. Et ça te fait du bois. Ça te fout les boules. Allez. Belle. Voilà, c'est pas ça, me semble. Et Ben, tiens, va te coucher. Combo. Ouvre la porte et toi t'es coincé, hein. Coincé. T'es plus coincé, mais tu t'achèves quand même. Un cœur, je reprends un bon à point. Et aussi les gens, je vous informerai plus tard d'une astuce qu'on peut faire dans cet endroit. Normalement, tout le monde connaît cette astuce qui est avec le marchand du coin. Et là, combo! Finish! Ushigaseki! Ça veut rien dire, hein, donc je cherchais une phrase en japonais, j'ai pas trouvé. Donc voilà, c'est ce marchand-là, là, le perroquet qui est ici. Vous lui parlez pas, hein, ça sert à rien, il va rien vous faire. Hein. Enfin, si, il pourra acheter des trucs là-dedans, mais ça sert strictement à rien dans votre cas, puisque vous avez déjà la bouteille de lait, normalement, si vous faites comme moi. Je suis enfermé, ouais, j'arrive. Vous êtes chiants, les gosses. Et promis, les gens, après cet épisode-là, on se laisse parce que... Voilà. Toi, j'ai fait un combo. C'est déjà fini. Arrêtez d'avoir peur. Regardez, je veux faire un truc. Merde, ça n'a pas marché. Voilà. Moi aussi je suis content le singe. Moi aussi je tape des mains. Ah. Heureusement que tu es arrivé, Link. Encore un peu, et ils allaient me manger avec ce singe, sûr. Il est sympa en fait. Il a voulu m'aider et il s'est fait prendre aussi. Dis, Link, tu ne vas pas le dire à mon père, hein. Il me répète tout le temps qu'il ne faut pas que je m'enfonce trop loin dans la forêt, parce que c'est dangereux. Alors il ne faut surtout pas lui dire, promets-le-moi. Ouais, je le promets. Link! Quoique, je vais peut-être le balancer. Quand Colin m'a dit que Fenir était parti dans la forêt et qu'il n'était pas encore revenu, j'ai accouru. Tu l'as déjà ramené? Désolé. Ces derniers temps, je trouve que la forêt a bien changé. Et pas en bien. J'espère que cela n'est pas un présage de temps à venir. Des temps à venir, hein. Mais laissons cela, Link. Parlons d'autre chose. Demain, c'est le grand jour. Tu pars pour le château d'Hyrule. Je pense que j'ai bien fait de te laisser t'en occuper. Accomplis cette mission avec fierté. Et si tu as de la chance, tu pourras même rencontrer la princesse Zelda. Voilà, c'est bon. C'est le rire assez con. Mais voilà, sinon j'ai... Je préfère le premier rire pour exprimer mes émotions sur ce truc-là. Sur ce genre de truc-là. Ah... Assis dans la prairie, la montagne. Hey, le seul bruit que t'entends, c'est « Hey Link, viens manger les chèvres !» C'est super. J'aime la campagne. Et pourtant, j'y vis. Alors, l'heure de ton départ approche, hein, Link. Bon, et ben aujourd'hui, on va finir la journée plus tôt. Non. Oui, pardon, excusez-moi. On va finir la journée assez tard, finalement, j'ai l'impression. Je me balade sur les feuilles, oui, je sais, je fais une incantation indienne, c'est le bordel, je fais comme dans Assassin's Creed 3. Non, je rigole, j'ai même pas joué à Assassin's Creed 3, donc je cherche pas à comprendre les gens. Donc voilà, je fais ma phrase de fin. Sur ce, les gens,
On se dit à la prochaine et bonne continuation. Allez, bye. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'apprécier sur Tiens et toi. N'oubliez pas de mettre un pouce vert. Et n'oubliez pas surtout de vous faire plaisir et de partager favoris un max déjà. Et sur ce, on se dit à la prochaine et bonne continuation. Allez, bye les gens.